Bonsoir. Un petit tutoriel pour ceux qui ont des difficultés à se repérer dans la famille des 10. D'abord, il faut apprendre à lire la comptine par cœur. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Alors, on va commencer par les plus faciles. Les nombres où j'entends 10. Il y a le 18, 18. Il y a le 19, j'entends 10. Et il y a le 17, j'entends 10. 18, 17, 19. Les plus difficiles, c'est le 11. Parce que j'entends ni 10 ni 1. Le 11, je le mets en jaune. Et le 15. Le 15. Maintenant, les autres. On va essayer de trouver un moyen pour les repérer. Le 12, dans le 12, il y a un 2, 2, 2. Ça commence pareil. 12, 13, il y a un 3, 13. Dans le 14, j'entends le 4, 4, 14. Dans le 16, 16, j'entends le ce du 6, 16. Maintenant, un autre moyen. Il suffit de compter avec ses doigts. On va compter avec ses doigts. Par exemple, je prends celui-ci. Je ne m'en rappelle plus. Donc, je mets 10 dans ma tête, sur mon front, et j'ouvre mes doigts. Je sais que 10, le 1 correspond à 10. Le 1 correspond à un domino de 10. On a manipulé en classe. Le 1 correspond à un domino de 10. On part de 10 et à côté, j'ai 3 billes. J'ai 3 billes à côté, donc je compte avec mes doigts. Ça fait 10 sur mon front, 11, 12, 13. J'ai 3 doigts ouverts. 13. Celui-ci, 10 sur mon front, 10, 11, 12. 2 doigts ouverts, 12. Celui-ci, je pars de 10 et j'ai 4 billes à côté, donc je vais ouvrir 4 doigts. 10, 11, 12, 13. 14. Voilà, je vais faire toute la fiche et tous les jours si j'ai des difficultés et petit à petit je vais mémoriser les nombres de la famille des 10. Maintenant pour les écrire. Alors en dictée, allez, on me dit par exemple 14. Oh, je m'en rappelle plus. Bon, je sais déjà que c'est la famille du 10. Donc je mets le 1 du 10. 14. Alors 10, je vais mettre le 1 qui se voit mieux, le 1 du 10, 10, et je déroule la comptine sur mes doigts. 10, 11, 12, 13, 14. J'ai combien de doigts ouverts? 4. Et donc j'aurai 4 billes à côté. 14. Allez, je vais faire 16, celui-ci aussi difficile. 10 dans ma tête. Et je compte avec mes doigts. 11, 12, 13, 14, 15 et le 16 à côté. Donc j'ai bien 6 doigts ouverts. Le 10 et j'aurai 6 doigts ouverts à côté. Voilà pour la dictée. Je m'aide aussi de mes doigts. Voilà, je vous souhaite un bon entraînement sur cette fiche de mathématiques, de mémorisation des nombres de la famille des 10, savoir les lire et savoir les écrire en dictée.